Bonjour tout le monde. Là, je vais essayer de me défaire de ma position du lotus. C'est le même qu'ils appellent ça, le lotus. Avec mes beaux souliers ici, plein de bouses de vache. Oh là 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 là, c'est difficile. Ça faisait 15 minutes que j'étais dans cette position-là là, pour essayer de vous faire goûter le plaisir du confinement à la campagne. Ben oui, il y a encore des chars qui passent malgré que la douane soit fermée. Ben oui. Il y a des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de circulation en 10 ans. Là, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Mais bon, qu'est-ce qu'ils veulent encore, eux autres? Maudits qu'ils sont fatigués. Restez chez vous, calique! Bon, maintenant, on va se calmer un peu, là, gars. C'est pas beau, hein, le confinement dans la ruralité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Ben, je ne vous cacherai pas que les petites génisses que vous voyez à l'écran, les petites génisses sont arrivées il y avait 2 semaines. Ça, c'était au mois de septembre. Ben là, on est rendu au mois d'avril. Ça veut dire qu'ils ont bientôt 8 mois, les petites génisses. Alors, j'ai essayé de les sortir. Ça n'a pas très bien marché. Ça faisait 2 semaines que je ne dormais plus, pratiquement. Je me disais, mon Dieu, comment je vais faire pour sortir les génisses? Je ne suis pas un expert du lasso, je ne suis pas un expert du ranch, je ne suis pas un expert en production laitière. Moi, je suis un expert en rien. Alors, ça a été pénible, ça a été pénible. Finalement, plus loin que je suis allé avec les petites génisses, c'est le box. C'est le box d'à côté. Alors, je vais en profiter avec mon fils pour vider la merde qui s'est accumulée. Hein. On procédait par accumulation pour la litière des petites génisses. Alors là, il faut tout enlever ça. D'après moi, tu sais, quand tu as à peu près 600-700 livres multipliés par 3, là, qui marchent là-dessus, qui se couchent. Tu sais, on l'a vidé 3 fois cet hiver, mais là, c'est quelque chose. Là, il faut vider le résidu. Là. Ça devrait prendre quelques jours. Là. Je vous en passe un papier. C'est quelque chose. Là, regardez l'accumulation de fumier et tout ça. Là. Bon. Alors, ouais, on a commencé à bouger les animaux. Ensuite, on prépare aussi les semences. Là. On commence à rentrer dans la terre. Là. Alors, on fait les petites graines cette semaine, probablement. Là, je vais venir prendre de la terre de la forêt, qui est très, très bonne. Hein. C'est un terreau exceptionnel, le fond de la forêt. Alors, on va partir nos semis pour qu'ils soient transplantés peut-être quelque part au mois de mai, j'imagine, s'il fait beau, hein, si on a un beau mois de mai cette année. Et j'ai coupé aussi des perches. Tu sais, dans une approche d'autosuffisance, là, pourquoi acheter des tuteurs ou des perches déjà préfabriquées quand tu as une forêt comme ici et que tu peux récolter le bois? Donc, j'essaie de prendre des arbres qui sont très, très jeunes, un peu en espèce de ligne, là, très grand, là, puis j'écueille tout ça. J'enlève les petites branches latérales, puis on va se faire nos structures pour les loufas et les gourdes. Je devrais avoir besoin d'à peu près 400 perches comme ça, là. Alors, c'est belle fun, ça relaxe, les sucres sont finis. Ben oui, on a fait les sucres cette année, pas beaucoup, là. C'était juste pour récolter l'eau d'érable. Savez-vous comment est-ce qu'ils vendent ça, un petit tétrapack d'eau d'érable non traitée, là, juste bouillie à peine, là. Savez-vous combien? 7-8 piastres, me semble-t-il, pour 1 litre. Alors, on a récolté ça cette année, ça a été belle fun. On boit ça, c'est bon pour la santé. Puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, ben les sucres sont finis. Qu'est-ce que vous voulez? On est le 1er avril, c'est terminé. Il fait trop chaud. Maintenant, je veux vous entretenir rapidement. Vous savez, on vit des moments assez difficiles ces temps-ci pour beaucoup de personnes. Et moi, j'ai peut-être des éléments de solution. Là, on parlait cette semaine, entre autres, de pénurie mondiale dans l'accès aux aliments, la nourriture. Il y a un état de panique qui s'est installé là, dans la population. Alors là, les gens vont dans les épiceries, ils se font des provisions pour quasiment 2-3 semaines, même des mois d'avance. C'est une réaction normale de l'être humain dans l'insécurité. Mais si vous ne voulez pas embarquer dans ce cirque-là, il commence à faire beau, si vous avez le moindrement de terrain, vous savez, pour devenir autosuffisant en matière alimentaire, légumes principalement, ça prend pas beaucoup d'espace nécessairement. Là. Alors, si vous avez un petit 20 000 pieds carrés, 10 000 pieds carrés, 30 000 pieds carrés, peu importe la grosseur de votre terrain, même si vous êtes en zone urbaine, si vous êtes en ruralité et vous avez un peu plus grand, c'est encore mieux, vous vous louez une bêcheuse, un rotoculteur.
en prenant soin de ne pas trop bouger la terre. T'sais, c'est sûr, il faut enlever la tourbe là, si ça a été bien compliqué, puis qu'il y en a épais, puis que ça n'a jamais été cultivé. Il faut un peu travailler la terre, mais une fois que c'est travaillé, vous ne touchez plus à ça. Et là, vous plantez, ça va pousser. Vous pouvez même prendre du paillage aussi. Là. Ça peut être bien utile, ça. C'est toutes des techniques de permaculture que vous pouvez aller chercher sur Internet et qui vont vous permettre, peut-être dans quelques mois, le temps que ça pousse, d'avoir au moins vos légumes, puis vous identifier les légumes que vous préférez. Admettons des navets, ça se sème un peu plus tard dans l'année. Ça se récolte tard, même quand il y a de la neige. Vous avez des petites fèves jaunes. Ça, tu peux avoir 3-4 récoltes par année en variant tes dates. Tu peux avoir des carottes aussi, des patates. Les patates, c'est plus nécessaire de creuser pour planter des patates. Ça se fait avec du paillage. Tu mets ta patate à terre, tu mets de la paille par-dessus et t'attends. Tu arroses ça de temps en temps quand c'est trop sec. Puis tu vas récolter peut-être 2 livres de patates par patate là, à l'automne. Alors, il y a plein de trucs pour s'en sortir, puis pour devenir autosuffisant vis-à-vis toute cette folie-là. Là. Puis vous savez que c'est pas rose. Là. Je sais pas si vous avez regardé les nouvelles récemment. Moi, j'essaie de diminuer ma dose de nouvelles parce que je vais virer fou. Je vous dire, c'est quelque chose. Là. J'écoutais un reportage ce matin à la radio publique américaine. On parlait de la grande pandémie de la grippe espagnole de 1918. Aux États-Unis, c'est là actuellement qui est l'épicentre mondial de la pandémie et vraiment le point le plus extrême, il est au bout du Rhin ici. Là. C'est dans l'État de New York, là. C'est à 2 minutes ici. Là. Alors évidemment, moi, ça me préoccupe. Et là, je réécoutais ça ce matin, le reportage. En 1918, Woodrow Wilson, qui est un président isolationniste, lui, il ne veut rien savoir de la scène internationale, ça le fait suer, un peu comme Trump. Raciste sur les bords aussi, un peu comme Trump. Et lui, il ne voulait pas rentrer dans la Première Guerre mondiale, il n'était pas intéressé. Là, par un concours sociopolitique, les États-Unis rentrent dans la Première Guerre mondiale et là, la grippe espagnole s'invite aux États-Unis. Et à cause de tout ce contexte-là, le président américain a tardé avec ses experts. Ils ont tardé à aviser la population. Ils ont essayé de retarder l'échéance le plus possible. Bien, imaginez-vous donc qu'ils se sont ramassés avec plus de 600 000 morts. Ça, c'était en 1918-19. Puis après, les gens ne voulaient pas retourner travailler. Là. Il y avait une espèce de phobie qui s'est installée au sein de la population, puis les gens avaient extrêmement peur de retourner sur le marché du travail pour repartir l'économie. Alors là, ce qu'on vit présentement, vous avez vu les statistiques, on pense peut-être 100 000 morts minimum. Si tout va bien, 250 000 morts, tout dépendant quelle va être la réaction des gens vis-à-vis les consignes de confinement. Le scénario le plus pessimiste parle de 2 500 000 morts. Et ça, c'est dû à cause d'une chose, on n'apprend jamais de l'histoire. On n'apprend jamais des gaffes du passé. On a un président américain qui était obsédé par ses résultats à la bourse. Hein? Quel est l'état du Dow Jones? Quel est l'état des indices boursiers? Je suis le meilleur, on n'a jamais vu ça, c'est incroyable, la croissance va s'en aller sans fin. C'est ce qu'on appelle de la gestion vraiment à courte vue, quand on sait que l'histoire de l'humanité nous enseigne autre chose. Alors là, tu as le président américain qui a attendu 2 mois. Il a quand même retardé l'échéance de 2 mois pour aviser sa population, prendre des mesures de distance, de confinement et tout ça. Alors on en a le résultat aujourd'hui. Le système de santé américain est en train de craquer. Et à 2 minutes ici, c'est l'épicentre mondial. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver avec le Canada. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais je ne serais pas surpris de voir des gens traverser la frontière à pied dans l'espoir de fuir ce qui va se passer dans 2 mois. Là. Ce qui va se passer dans 2 mois aux États-Unis, c'est sûr que ça va nous affecter. Mais Dieu merci, on est au Canada. Alors, la GRC fait beaucoup de présence policière ici, continuellement. On voit passer les trucks, on voit passer les patrouilles. Dans le but de rassurer la population. Mais j'aimerais vous dire, en terminant, que les frontières ne sont pas fermées. On a fait un gros tabac sur Roxham. Ici,
c'est complètement ouvert. On peut passer du Québec à l'État de New York en plein milieu d'un quartier résidentiel. Il n'y a aucun poste, aucune patrouille, aucune surveillance. Et quand on aura tout fini cet enfer-là, si je suis encore vivant, si je ne suis pas mort, j'irai vous montrer tous les endroits où on peut passer là, sans aucun problème, sans être inquiété. Ben maintenant, je vous souhaite un bon courage, une autre belle semaine, et je vous le dis, on parle pour parler là, dans l'avenir. Si vous avez des plans à long terme, puis que vous êtes encore vivant là, dans une couple de mois, là, parce qu'on sait qu'on ne sortira pas avant un vaccin. Là. C'est clair qu'on ne sortira pas avant un vaccin. Mais si vous êtes encore vivant plus tard et que vous entendez ce message-là ou vous le réécoutez, je vous le dis, dans le monde de fous dans lequel on vit, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont avoir choisi la ruralité. Et moi, je vous le prédis, il va y avoir un retour à la terre pas mal plus accéléré dans les prochaines années. Les fermettes vont se vendre comme de l'eau parce que les gens vont se raccrocher à ce qu'il y a de plus essentiel. De ce qui nous reste dans la vie, c'est ça. C'est ça ici. J'aimerais tellement que vous puissiez partager la chance que j'ai. Vraiment, je vous le souhaite. Bonne semaine. Thank you.